Bonjour à tous et bienvenue, c'est un grand plaisir de vous retrouver comme toujours. Le stade, vous le voyez, est quasiment plein, même si le ciel est menaçant, l'ambiance est au beau fixe dans les tribunes. Les joueurs se sont parfaitement préparés pour cette rencontre. Et vous aussi, j'espère, on va vivre un beau moment de football. On a senti une vraie attente autour de ce match, et notamment chez les supporters. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Et maintenant, l'hymne national de l'Angleterre. L'Islande qui a adopté le 4-4-2, un grand classique. Dans ce système, les milieux axiaux ont un rôle clé. Ils doivent produire beaucoup d'efforts à la fois pour accompagner les attaques, mais aussi dans le replacement défensif. Il faut trouver le bon équilibre. En ayant par exemple un joueur qui reste libre pour venir compenser à la perte de balle. On va voir ce que nous réserve ce match. Allez Darren, un petit pronostic. Qui sera l'homme du match? Ce sera sûrement Raheem Sterling. Il démarre généralement sur l'aile, mais il n'y reste pas longtemps, parce qu'il est à l'aise partout ce joueur. Vous voyez, je crois que les défenseurs qui vont devoir le marquer aujourd'hui seront d'accord avec vous. Mais non, hors-jeu. Chilwell. S'il le trouve, ça doit faire but. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe. Oh, Sterling. La passe. Faut frapper là. Sur le poteau. Et oui, le but. Aucun round d'observation. Le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sur la même lancée. Ah, il est toujours bien placé, la preuve. Ah, il est très malin sur ce coup-là. Il profite des airs, monte à la défense. Il est parfait. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Arnold. Arnold. Qui a de l'espace. Kane. Il y a énorme occasion. Et quel manque de réussite sur son tir. Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canon sans aucune préparation. La défense pourra intervenir beaucoup plus rapidement. L'Islande qui vit vraiment un début de saison catastrophique. On est allé à la moitié de la phase aller et toujours pas la moindre victoire. Le bon ballon. Il y a peut-être un coup à jouer. Il tire. Aucun danger pour le gardien. Ils ont bien exploité l'espace dans l'axe. Ça leur a ouvert le chemin du but. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Sterling. Kane. Sterling. Il a tenté, bien joué. Mais il va être sanctionné.
L'arbitre accorde ce coup franc. On est à l'extrême limite de la surface de réparation. Alors, comment va-t-il la jouer ? C'est repoussé. Ce sera le premier corner du match. Et la tête ! Oh, le gardien est là, la classe ! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semble laisser diriger tout droit au fond. Il change complètement de côté. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Oh, il centre ! Sterling. Oh, voici Kane. Goodmanson. Jordan Anderson. Il cherche la profondeur. Le tacle. Un grand dégagement le plus loin possible. Il peut y aller. C'est joué long. Attends, il peut y aller. Il peut récupérer. Deuxième chance. Et c'est un but. Il compte maintenant une avance de 2 buts. Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Long ballon dans le sens du jeu. Et voici que la pluie fait son apparition. Oh, Sterling. Dans la profondeur. Il est bien placé. Et il prend sa chance. Et le cadre se dérobe largement. Tout seul, à cette distance, il doit vraiment faire mieux. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Hors jeu apparemment. Sterling. L'ouverture lumineuse. En la profondeur, bien vu. Kane. Gunnarsson, quelle parade. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Ça joue long vers l'avant. C'est joué long. Jordan Anderson. Sancho maintenant. C'était difficile comme geste. Un long ballon vers l'avant. Il décide d'allonger le jeu. Et il perd l'équilibre. C'est joué long. Attention, la frappe. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même. Il ne compte plus maintenant qu'un but de retard. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation ? C'est une occasion, ça ! C'est dégagé loin. Ça ne passe pas. Il se rattrape bien. Barkley. Oh, Sterling. Bien servi. C'est bien fait, ça.
Il frappe. Il avait tout mis dans cette frappe. Ce ballon qui lui est revenu un petit peu par hasard, mais malheureusement, il n'a pas su saisir sa chance. Goodmanson. L'Islande qui cherche l'ouverture. Oh, la grosse occasion! La frappe! L'assistant lève son drapeau. Maguire. Dans la profondeur. Ça passe dans l'axe. Va-t-il en profiter? Oh, la frappe! Goodmanson. C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Moi, je trouve qu'on a vu une première période ouverte et équilibrée entre deux équipes qui n'hésitent pas à prendre des risques pour faire la différence. Vivons la suite. 2-1 au tableau d'affichage, un seul petit but les sépare. Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. Chilwell. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Il a mal dosé son geste, dommage. Bon service dans la profondeur. Alfred Finnbogason. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Allez, ça peut faire mal. Un bon temps de sa chance. Et ils sont de retour cette rencontre. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? C'est très bien joué. Quelle passe et quelle finition. Mais la défense est quand même pas glorieuse. Ils ont réussi à combler l'écart. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? Kane! C'est dégagé, loin devant. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. On ne le met pas souvent en valeur, mais un bon marquage individuel, c'est important. Oui, mais il aurait fallu le faire avant qu'il marque. Bon, au moins ils essayent. Il allonge vers l'avant. La passe est précise. C'est joué dans la profondeur. Oh, le bon ballon! Plus que... Ça peut être dangereux! Voilà la situation complètement inversée. Du jeu collectif, il passe de défense en attaque à 100 à l'heure, et au bout, il y a but. Mmh.
voici avec un but d'avance. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Chilwell, ça joue long. Oh, l'occasion! Kane! Le gardien n'a même pas eu à intervenir. L'Angleterre qui utilise les forces de son effectif. Rashford qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Sigurdsson. Goodmanson. Il cède sous la pression. Excellent repli défensif. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en dire. Kane. C'est joué dans l'espace. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? C'est vrai, Grégoire. Il allonge le jeu. Cette attaque n'a pas pu se développer. Stones. Il était bien présent. C'est joué long, c'est dangereux. La longue passe. Le ballon dans la profondeur. La défense est battue. C'est dégagé. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça, c'est une interception parfaite. Un long ballon vers l'avant. Bon jaillissement, il fallait intervenir. La bonne passe. C'est bien donné. C'est joué dans la profondeur. Quelle occasion, attention! Il rate le cadre. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. L'Islande qui procède à un changement dans cette rencontre. Le ballon dans la profondeur. Il est intervenu. Attention au centre. La frappe. C'est bien parti maintenant à ce moment du match. Ça commence à sentir très très bon. Dans la surface, l'issue était presque certaine. La défense était un peu à la rue à mon avis, mais la passe était bonne. Il a eu tout le temps d'ajuster sa frappe. Oh, l'efficacité diabolique, hat-trick pour lui aujourd'hui. C'est très simple, hein. Il donne le tournis depuis le début de ce match. Il y rend fou. Deux buts d'avance, ça fait du bien, oui, on les imagine un peu plus sereins. Il poursuit son effort dans l'axe. Occasion peut-être pour Rashford. Kane. Et oui, but. Il n'y a plus qu'un but d'écart, le suspense est complet. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Et c'est son deuxième but dans cette rencontre. Oh.
Ils engagent et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance maintenant. Ils sont back in business. Ils doivent maintenant garder la tête froide et saisir toutes les opportunités. Ils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. La frappe, attention! C'est loin du cadre! Chilwell, c'est joué long. Long ballon dans le sens du jeu. Stones, belle intervention. Il décide d'allonger le jeu. Ça joue long vers l'avant. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Faute, c'est indiscutable. Oui, bonne intervention de la défense. On est entré dans le temps additionnel. Madison. Sancho maintenant. Rashford! Quel timing dans l'interception. La passe en profondeur. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Et l'arbitre siffle la fin du match. Allez vite oublier cette défaite et se ressaisir le plus vite possible dès la prochaine journée. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Je pense surtout qu'il va falloir corriger pas mal de choses d'ici le prochain match. Là, il va y avoir du boulot à l'entraînement. On doit se quitter maintenant. Merci, Darren. Et merci à tous, surtout, d'avoir suivi ce match avec nous. Avec grand plaisir, Grégoire.